Salut à tous, une nouvelle vidéo. Toujours problème de masse arrière. On met les clignotants, les anti-brouillard, ils s'allument en même temps. On appuie les stops, pareil, ils s'allument. Là, je suis en train d'appuyer, elle s'allume. C'est gênant dans le tableau de bord. On va vous montrer ça, comment réparer ce problème. À tout de suite. Bon, ce qu'on va faire, d'abord on va démonter le feu. Bon, le feu arrière sur ces cyniques là, c'est des cyniques spéciaux. Déjà leur coffre il s'ouvre un peu bizarre. Donc voilà, on a un cache ici. On a un cache ici, on le retire. Ensuite, on trouve un petit cache, un petit couvert comme ça, on le retire. Ensuite, on a deux écrous de 10, deux écrous de 10, on le voit un peu, c'est pas facile à les voir, donc on le voit bien. Et on a un de l'autre côté, je le vois pas, je peux pas vous montrer. Je vais dévisser les écrous là, après je vais sortir le feu et on va regarder ce qui se passe. À tout de suite. Bon, on n'a pas démonté le feu. Finalement, j'ai décidé de juste retirer la platine parce que j'ai la galère pour retirer le feu et j'ai pas besoin de le retirer parce que le faisceau il est long. J'ai la platine ici, donc le problème c'est toujours ça. Vous voyez bien cette borne là, elle est chauffée, elle passe pas le négatif, c'est toujours le négatif qui chauffe là. Il crée ce problème. Même la fiche ici, elle est morte, la prise. Il faut la changer. Moi, ce que je vais faire, je vais souder toujours un fil d'ici. Je vais le souder sur la platine directement. Je vais faire passer le négatif. Comme ça, on n'a pas besoin de changer ni la platine ni la prise. Ça évite de changer la platine et la prise et ça évite de se reproduire ce problème-là. Donc, c'est un travail garanti, nickel, voilà. À tout de suite, je vais vous montrer comment je vais souder. J'ai préparé le fer à souder et tout.